Hey yo tout le monde, c'est T6. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto très complet pour accélérer son PC. Donc j'ai fait plusieurs parties de plusieurs logiciels, sauf que là ça va être vraiment un tuto complet de chez complet. Donc il va peut-être durer 40 minutes, une heure, je verrai, ça dépend. Donc si dure ce temps-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors déjà, on va juste commencer par désinstaller des logiciels, puis après on va réparer l'ordinateur. Alors pourquoi? Parce que quand on désinstalle un logiciel, il reste des petits résidus de désinstallation. Donc après ça crée des erreurs, des ralentissements. Donc après on mettra un coup de CCleaner. Allez, go! Donc pour désinstaller un programme, il faut tout simplement aller dans Démarrer. Vous écrivez désinstaller, donc voilà. Donc ensuite, donc pour avoir ce menu démarrer, je vous invite à aller voir le tutoriel de Dixor qui apparaît en annotation. Donc cliquez sur l'annotation qui apparaît pour avoir ce menu démarrer. Donc GG à lui pour avoir trouvé ce tuto. Donc là vous cliquez sur désinstaller un programme. Donc là on va vous désinstaller tous les programmes que vous ne servez pas. Donc je sais pas. Il faut surtout voir, par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'avais Sony Vegas, je m'en servais pas, je supprime. Parce qu'il prend énormément de place, Sony Vegas, donc pourquoi l'utiliser alors que, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de trucs, forcément, hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai réinstallé tout sur mon PC, mais bon. Donc là, vous désinstallez vraiment tout ce que vous ne servez pas, d'accord? Même que ce soit n'importe quel logiciel, surtout les toolbars. Vous écrivez ici « toolbar » dans la barre de recherche, et si vous envoyez, ben, vous supprimez. C'est des malwares, c'est des virus, c'est tout ça. Donc, vous supprimez tout ça. Et quand c'est fait, on va mettre un coup de CCleaner. Allez, c'est parti. Hop. Donc, on va dans démarrer. Pareil. Hop, ça m'énerve. Excusez-moi. Voilà. Ou tapez C. Voilà. Donc. Voilà, il est là. Hop. On clique dessus et là voilà, donc registre. Donc je vous mettrai tous les liens de tous les logiciels qu'on va utiliser pour pouvoir tout simplement faire le tutoriel correctement. Donc là vous cliquez sur cherche les erreurs, donc après avoir désinstallé les logiciels et tout ce qui est avec, hein, surtout. Donc vous patientez. Alors, après que les erreurs soient cherchées et soient trouvées par ces cleaners, vous cliquez sur « Corriger les erreurs sélectionnées ». Et là, vous cliquez sur « Non ». Et vous cliquez sur « Corriger toutes les erreurs ». Et vous refaites une recherche une deuxième fois parce que parfois, ces cleaners en laissent tout simplement. Hein. C'est normal, c'est pas un logiciel non plus incroyable. Donc là, on peut voir qu'il n'en a pas trouvé, mais tant mieux. Alors ensuite, on va dans nettoyeur. Alors bon, là, on coche ce que vous voulez cocher. C'est comme vous voulez. Et vous cliquez sur analyser. Donc là, ça analyse. Ça peut prendre un certain temps. Si ça fait la première fois que vous le faites, ça peut prendre environ, allez, 10 minutes. Ça va pas plus normalement. Alors, quand c'est terminé, vous cliquez sur nettoyer. Tout simplement. Et vous faites OK. Alors là aussi, on voit qu'il y a une barre de défilement qui est verte. Et quand elle est au bout, ça veut dire que tout le nettoyage aura été effectué. Donc après, on va passer à l'étape, bien entendu, la prochaine étape. Alors maintenant qu'on a fait ça, je vais vous dire quelque chose à ne pas faire du tout. Donc là c'est bon, le nettoyage a été fait, on peut quitter. Donc ce qu'il y a à ne pas faire, c'est... C'est-à-dire quand on tape msconfig ici, on tombera tout simplement sur ça. Donc il y en a des gens qui disent que changer le nombre de cœurs. Donc comment on fait? Donc vous allez dans démarrer, option avancée, et là vous choisissez le 2. Jamais faire ça. Alors, moi aussi, avant, j'ai cru que ça pouvait accélérer le PC, mais en fait, votre PC connaît que un cœur, d'accord? Il connaît que le cœur principal. Si vous en choisissez le deuxième,
qui peut, oui, accélérer votre PC, ben, il y aura une surchauffe qui pourra se créer et du coup votre PC peut tomber en panne beaucoup plus rapidement et beaucoup, il peut avoir des blue screens, les gens. C'est-à-dire si vous changez de cœur comme ça, d'un coup, le PC va rien comprendre et donc il peut se passer qu'au prochain démarrage, ben, vous avez un blue screen qui indique que votre PC doit être réactualisé avec un autre Windows. Ok? Donc ça, j'espère que c'est bien compris. Quelque chose à ne jamais faire aussi. Alors ça, vous continuez à le faire, je comprends pas. Vous continuez à faire cette imbécilité. Je vais vous montrer. Hop, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre bloc-notes et vous allez écrire free mem est égal entre parenthèses 1 et 9,0. Fermez la parenthèse. Ensuite, vous allez l'enregistrer en ram.vbs et quand vous allez le lancer, c'est-à-dire quand vous allez double-cliquer dessus, si vous avez mis sur votre bureau, ben, ça va accélérer votre PC et ça va accélérer votre RAM. Mais le problème, c'est que ça va accélérer votre RAM, ok, mais ça va faire surchauffer encore une fois votre ordi. Et votre ordi, vous pouvez être sûr qu'il est mort. Vous pouvez être sûr. Même si vous achetez un truc de refroidissement, même si vous... Blablabla, n'importe quoi, votre PC est mort. Vous le lancez, vous pouvez toujours le quitter et voilà. Mais vous le lancez, vous pouvez être sûr que votre PC, dans quelques mois, vous ne le voyez plus. C'est tout simplement comment ça va se passer. C'est quand vous allez démarrer, ce sera un écran noir avec de la lumière. Et il y aura... Je sais que ça m'est déjà arrivé, donc je sais quand même de quoi je parle. Et donc voilà, il y aura ça. Alors aussi, quelque chose, maintenant, bon, ça, hop, maintenant, il y a quelque chose qui est à faire, c'est-à-dire qu'on va télécharger Spybot. Alors, Spybot, c'est pour enlever les spyware, et c'est très utile pour pouvoir accélérer son PC. Allez, on se retrouve de suite pour le téléchargement de Spybot. Alors, voilà, on se retrouve sur le site officiel de FileHippo. Alors, pourquoi je suis sur FileHippo? Parce qu'il y a la version antérieure de la 1.6. Parce que la nouvelle version 2.0, je crois, bah, elle est inefficace. Donc, c'est pour ça que normalement, beaucoup de personnes recherchent maintenant que cette version-là de Spybot. Voilà. Donc, on clique sur « Télécharger cette version ». Je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu. C'est quoi, ça? Je mettrai un flou, là, parce que je suis sur des publicités ici assez choquantes pour les mineurs. C'est quoi ce bordel? Je sais pas. On va faire comme si. Dites-moi pourquoi je suis sur un site de téléchargement de logiciels de contre les spyware et pourquoi j'ai des images de femmes qui sont à moitié à poil. Enfin, voilà. Bon, normal. Je sais pas ce que ça fout là. Bon, c'est juste ça. Je sais pas trop ce que ça fout là. Bon, je mettrai de toute façon un flou pour pas me recevoir des strikes. Alors, je vais quitter ça parce que ça m'énerve. Oust. Alors, vous mettez OK. Là, vous faites suivant. Je comprends. Suivant. Suivant. Vous faites... Enfin, moi, parce que je l'avais déjà installé avant, mais vous aurez pas ça, vous. Vous faites suivant. 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 Installer. Alors, après installation, il faudra décocher quelque chose. Donc, c'est pour ça que je l'installe avec vous. Sinon, c'est simple, une installation. Hein. Donc, hop. Donc, vous patientez un petit peu. Ça s'installe en quelques secondes, normalement. Ça s'installe pas en quelques secondes, c'est qu'il y a un problème. Hop. Donc là, c'est bientôt fini. Alors là, voilà, vous décochez exécuter timer.exe. Et vous faites terminer. Alors là, ça va se lancer normalement automatiquement. Si ça se lance pas automatiquement, vous allez soit sur votre bureau, il y aura l'icône, ou alors vous allez sur démarrer. Ou alors vous recherchez, de toute façon il est. Donc vous le lancez, ça va se lancer, donc vous patientez du coup. Vous faites OK. Et là, vous cliquez sur créer une sauvegarde du registre. Vous patientez encore. Là, vous cliquez maintenant sur suivant. Et vous cliquez sur « Commencer à utiliser le programme ». Alors là, vous cliquez sur « Recherche de mise à jour ». Vous faites « OK ». Et là, vous cliquez sur « Continuer ». Et vous cliquez sur « Télécharger ». Donc là, ça fera ça. Vous faites
Ok. Là, vous pouvez quitter le programme. Là, ça se relance. Alors, je vous conseille, quand il sera sur votre bureau, moi, il n'est pas sur mon bureau là parce que je j'affiche pas ce que j'ai sur mon bureau parce que regardez, c'est le bordel complet. Enfin, c'est le bordel. Pour moi, c'est le bordel. Voilà. Donc voilà. Donc je cache ce qu'il y a. Voilà, hop. Donc là, vous cliquez sur OK. Mais sinon, le programme, faut le lancer en tant qu'administrateur. Même s'il est lancé automatiquement en tant qu'administrateur. Mais bon. Donc là, vous cliquez sur vaccination. Tout simplement pour empêcher qu'il y a des spyware qui s'installent sur les. Comment on appelle ça? Sur vos navigateurs, sur votre PC et tout. Donc. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est que tout simplement, quand vous avez cliqué sur vaccination, ça va vacciner, enfin ça va rechercher. Et si vous aurez les fichiers, les programmes et tout ça qui seront non protégés, normalement vous en aurez 18 millions, comme c'est écrit là. Et après, vous cliquez tout simplement sur vacciner. Moi, j'ai pas besoin puisque zéro sont pas protégés. Tout est protégé pour moi puisque moi je l'avais déjà avant. Ensuite, vous cliquez sur Search and Destroy et vous cliquez sur Vérifier tout. Et là, vous faites Yes. Et là, donc, ça va compter vos fichiers, ça va voir lesquels fichiers n'ont pas été encore vérifiés. Alors, donc là, ça va vérifier, ça peut prendre 1 à 2 heures. Alors, ensuite, après la vérification, vous aurez ici des dossiers qui seront des spyware, donc ce sera en rouge. En fait, c'est des virus, tout simplement. Et ici, vous cliquerez après sur Corriger les problèmes. Et vous verrez que si vous en avez trop, ça vous dira que les problèmes, tous les problèmes n'ont pas été corrigés correctement. Veuillez redémarrer votre ordinateur. Faites OK et vous redémarrez votre PC. Alors par contre, quand vous allez redémarrer votre PC, vous aurez un écran noir avec Spybot. Il y aura écrit, enfin il y aura un truc de défilement, une barre de défilement vert comme ça. Sauf que vous aurez rien sur l'écran à part Spybot. D'accord? Donc ne vous en faites pas, ça par contre ça peut durer entre 2-3 heures, la grande vérification. Alors s'il y a ça, n'éteignez pas votre PC, n'essayez pas d'aller sur votre bureau ni rien. Laissez faire, Spybot fait le boulot, tout simplement. Alors après, donc moi je vais pas le faire hein, parce que j'ai déjà fait hier soir. Donc stop. Alors ensuite, après avoir fait ça, alors c'est bon, je peux quitter. Alors bien entendu, après avoir fait ça, vous mettez un coup de malware anti-malware. Hein, donc ça, tout le monde sait faire. Et puis c'est tout. Ah, donc, après ça, on va désactiver des effets visuels. Alors sur Windows 7, vaut mieux prendre, opter pour... Donc pour Windows 7, en fait, vous aurez tout simplement un thème qui s'appelle... enfin, je sais plus, mais c'est un thème Windows. Enfin, moi, je... C'est pas très bien de faire ça, moi je trouve que c'est moche. Moi je vous conseille de faire plutôt autre chose qui se voit moins. Vous allez dans vos dossiers, vous cliquez votre ordinateur, vous faites clic droit, propriété, et là vous cliquez sur paramètres système avancé, et vous cliquez sur paramètres ici, et là vous cliquez sur ajuster pour la meilleure configuration. Si vous mettez pour des meilleures performances, ça va pas être joli joli, hein. Ça va être beaucoup accéléré, mais bon. Je vous conseille de mettre ça ou de mettre un coup de Advanced System Car. Donc ça, tout le monde sait faire aussi. Je vais vous mettre un tuto de toute façon, une annotation pour voir Advanced System Car. Mais là, vraiment, hein, c'est tuto complet sur les choses qu'on n'en pense pas le plus souvent. Donc voilà, donc vous désactivez des effets visuels que vous ne vous intéressez pas et vous faites appliquer. Moi je vais pas le faire puisque c'est déjà fait. Voilà, donc je le fais pas. Hop, tac. Ah oui, pour que votre démarrage soit beaucoup plus rapide, vous allez tout simplement aller dans le gestionnaire de tâches. Donc vous faites clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire de tâches. Et là, vous allez dans démarrage et vous décochez tout ce que vous ne voulez pas qui se lance. Au démarrage, tout simplement. Donc, parce que ça prend du temps, hein, surtout Skype. Skype, il prend beaucoup de temps à se lancer, comme certains d'autres logiciels que j'ai désinstallés, enfin que j'ai désactivés. Donc, pour désactiver, vous faites clic droit et désactiver, tout simplement. Et donc, du coup, au démarrage, ces logiciels-là ne s'ouvriront pas et ne bousillera pas votre accélération de l'ordinateur.
Alors ensuite, on va passer par la connexion Internet. Il y a une méthode pour moi mais qui fonctionne. Il y en a qui disent que ça ne fonctionne pas, il y en a qui disent que ça fonctionne, mais moi je trouve que ça fonctionne. Donc pour ça, vous allez dans l'icône de l'ordinateur. Vous allez. Non, pas du tout. Vous allez dans le panneau de configuration. Hop, vous allez dans Démarrer. Vous cliquez sur panneau de configuration. Et là, vous allez dans. Donc, je vais afficher en catégorie, ça sera beaucoup mieux. Vous allez dans Réseau et Internet, Centre Réseau et Partage, et vous attendez un petit peu. Et après, vous cliquez sur Modifier les paramètres de la carte qui se trouve ici. Et vous cliquez droit sur votre connexion, moi c'est Numéricable. Et vous cliquez droit, vous faites Propriété. Vous cliquez sur Protocole Internet version 4. Vous cliquez sur Propriété. Et là, vous cliquez sur Utiliser l'adresse de DNS suivante et vous mettez 8 8 8 8 8 8 4 4, tout simplement. Et vous faites valider les paramètres en quittant. Et normalement, vous aurez un détecteur de problème. Donc moi, je ne sais pas si ça va le faire puisque je l'ai déjà fait avant la manipulation. Donc je ne sais pas si ça va me le faire. Si ça me le fait, bah, tant mieux. Comme ça, je vous montre. C'est normal, si ça vous fait ça, ça veut dire que ça marche. Et si ça vous le fait pas, c'est que ça ne marche pas, tout simplement. Hop, vous patientez. Tout simplement. Donc déjà, on a fait la première partie, qui est une grande partie, c'est-à-dire on a fait pas mal de choses qui vont faire que votre PC va être beaucoup plus rapide qu'avant. Et là, vous cliquez sur fermer quand c'est terminé. Alors aussi, il y a une tactique qui fonctionne, c'est que votre PC, s'il est en surchauffe, d'accord? S'il est en surchauffe, il ne pourra pas fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'il va, l'ordi va baisser ses performances de vitesse pour pouvoir protéger votre ordinateur pour qu'il surchauffe moins, c'est pour pas qu'il grille. Qu'il grille, c'est-à-dire que votre PC crame. Voilà, tout simplement que votre PC crame à cause de la surchauffe et que donc il ne fonctionne plus. Parce que c'est bien qu'il soit chaud, mais il faut pas qu'il soit chaud. En fait, quand il est chaud, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il fonctionne bien. Mais il ne faut pas qu'il soit au-delà de la température. Il ne faut pas que ça dépasse 65 degrés. Si ça dépasse 65 degrés, il faut faire un truc. C'est-à-dire au bout de 65 degrés, l'ordi va baisser sa tension de performance pour pouvoir que votre PC baisse la température. Ça n'est pas français, mais bon, c'est pas grave. Ou sinon, si un jour vous avez 50 € ou quelque chose comme ça, c'est 50 € en général. Vous allez voir si votre PC, ça fait 2 ans par exemple, vous l'avez, il faut qu'il soit dépoussiéré si vous ne savez pas le faire. Vous allez voir un technicien, un réparateur, je sais pas trop quoi, qui s'occupe de l'informatique, ou Auchan, ou Carrefour, enfin vous allez voir. Vous leur demandez s'ils font des nettoyages, des dépoussiérages complets du PC. Si vous dites oui, vous leur demandez c'est combien, normalement c'est 50 €, voire moins ou plus. Normalement ça va pas au-delà de 50 €, ça peut aller, mais bon. Après donc, ils vous le dépoussièrent et tout, donc du coup après vous retrouvez un PC, on va dire, neuf. Ben oui, parce qu'en fait, quand un PC surchauffe, c'est ça qui va le rendre vieux. Ce que je veux vous dire, c'est que l'écran et tout, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas l'écran, c'est-à-dire si on a un vieux écran, bon forcément il va être plus fragile, il va se casser beaucoup plus vite, mais c'est pas ça qui va faire que votre PC va tomber en panne. Alors autre chose aussi, autre chose qui est très important que personne pense, quand il y a de l'orage, ne jamais, 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 jamais utiliser son PC. Enfin, utiliser son PC branché. Donc, pour les ordinateurs fixes, jamais utiliser votre ordinateur fixe pendant un orage. Pourquoi? Je ne sais pas. On dit, hein, ça se dit, puis moi j'en ai fait le rapport. J'ai vu que ça pouvait être vrai. Parce que tout simplement, pendant un orage, j'avais mon ancien ordi, parce qu'il tombait en panne juste le lendemain de l'orage. Et quand par hasard, le lendemain de l'orage, moi je l'avais branché et tout, parce que j'enlève tout le temps ma batterie de mon ordinateur portable pour pouvoir rester branché tout le temps, parce que mon ordi est allumé 24 sur 24, je ne l'éteins jamais. Il reste tout le temps allumé, je redémarre une fois par semaine. Donc du coup, je le laisse tout le temps branché pour éviter, parce que si on appuie trop sur le bouton d'éteint et d'allumage, ben, ça peut créer un court-circuit et du coup péter votre PC. Donc ça aussi, ça fait une panne. Ça fait des pannes. Donc ce qui fait des pannes aussi, c'est l'orage. Être sur l'ordi branché pendant un orage, jamais faire ça. Plutôt éteindre son PC. Je sais que moi, quand il y a de l'orage, je fais pas de bannière ni rien, parce que je sais que mon ordi doit être branché et que ça peut le faire griller. Tout simplement. Donc, jamais être sur un ordi pendant un orage.
tout le temps laisser son PC, enfin moi c'est le conseil que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez, tout le temps laisser son PC portable allumé. Si vous en servez, je sais pas, si vous en servez une fois par mois, non. Mais si vous en servez par exemple tous les jours, vous n'allez pas l'éteindre le soir, le rallumer le matin, le rééteindre, le rallumer, ça va faire un court-circuit. Même le mettre en veille, parce que si vous le mettez en veille, votre ordi s'éteint. Et vous devez appuyer sur le bouton, et réappuyer sur le bouton. Donc à force, votre PC va planter, va cramer. Donc il n'y a pas source de feu, ça peut être une question de surchauffe, ça va être une question de court-circuit, tout simplement, avec l'électricité et le bouton. Donc voilà, votre PC il est mort si vous faites ça. Ne jamais, normalement, ça tout le monde le sait, jamais, on va, là je parle surtout pour les ordinateurs portables, jamais enlever le branchement d'un ordinateur quand il n'y a pas de batterie. Je suis sûr que tout le monde dit, ben oui, c'est logique, mais vous ne me croirez jamais. Jamais vous me croirez. Je sais, il y a un informaticien, enfin, soi-disant, un technicien informaticien qui m'avait fait ça, moi, pour un ordinateur Asus. Parce qu'en fait, il y a eu un blue screen, j'ai amené au réparateur, mais le con, il a fait quoi? Il a appuyé gavé de façon bouton, ce gros con-là. Je lui ai dit, monsieur, faites doucement, il m'a dit, tu sais ce que je fais, bon, ok. Et cette espèce de merde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la batterie, l'ordi était allumé, et il a débranché comme ça. Donc l'ordi s'est éteint, ça fait un gros court-circuit, et quand il a allumé, il n'y avait plus rien. Il m'a dit, ben, plus rien. Je lui ai dit, ben oui, forcément, vous avez appuyé comme un con dessus. Je vous promets que je vais parler comme ça parce qu'il m'a trop énervé. Ma mère m'avait même dit, calme-toi, mais j'étais plus fort que moi. Il m'avait pété un PC qui m'a coûté 650 euros, et je vous promets, j'ai failli lui mettre un poing dans la gueule, et je vous le promets. Moi, c'est un bon PC, Asus, c'est la meilleure marque. Moi, voilà, un mec qui fait ça et en plus qui assume pas, c'est juste horrible. J'avais vous. Putain, heureusement qu'il y avait ma mère parce que je crois que je lui aurais foutu une patate ou je lui aurais hyper mal parlé, ça aurait fini au tribunal et tout. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Moi, j'aime pas qu'on. Putain, j'aurais dû. Moi, vous voyez, j'aurais dû moi le réparer moi-même. Donc, pour que vous sachiez les choses à ne pas faire, voilà. Si vous faites tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire si vous faites tout ça, si vous allez sur un réparateur pour le faire dépoussiérer à fond, si vous nettoyez aussi avec une lingette ou quoi sur la surface et tout, ok. Si vous nettoyez l'écran, si vous ne n'êtes pas sur l'ordi quand il y a un orage, enfin voilà, si tout ça, votre PC peut durer plus de 6 ans, hein, d'accord? Si vraiment vous y tenez, si vraiment vous faites pas n'importe quoi dessus, si voilà, si vous téléchargez pas des cracks à gogo tout le temps, bon parfois il y a des exceptions, voilà, vraiment. Il n'y a que ça à retenir. Moi, je crois vraiment qu'il n'y a que ça, d'accord? Donc, si votre PC un jour est en surchauffe, même si vous avez un ventilateur externe, normalement, non. Normalement, un ordinateur ne surchauffe pas, quoique ça peut être rare si vous utilisez un logiciel Photoshop, plus Sony Vegas, plus After Effects, plus Facebook, plus Skype et tout. Forcément, votre PC va dépasser les 80 degrés, là. Par contre, même si vous avez un ventilateur externe. Donc dans ces cas-là, si vous sentez que votre ordinateur surchauffe, mettez-le en veille et redémarrez-le 3 ou 4 heures plus tard. D'accord? C'est un conseil que je vous donne. Parce que sinon, votre PC, il crame au bout de quelques temps. Ok? Donc si vous utilisez trop de logiciels de graphisme, ben, adieu votre PC. Ok? Donc c'était en fait des conseils avec en même temps des astuces, donc des astuces avec des logiciels, tels que CCleaner et tout. Donc, pour savoir comment utiliser Advanced System Car, n'hésitez pas à regarder le tutoriel qui apparaît dès maintenant. Donc, une annotation, il suffit de cliquer dessus. Et donc, voilà. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Ah oui, j'ai oublié. Je vais vous citer, si vous le voulez, les meilleures marques pour moi, donc que je vous conseille à prendre pour un ordinateur pour être sûr qu'il dure. Asus, déjà d'une, et Samsung. Alors, Samsung, Dell, Toshiba. Mais HP, Acer, Packard Bell. Alors, Packard Bell, jamais le prendre, c'est de la pure merde. Jamais prendre Packard Bell, ok? Jamais. C'est peut-être pas cher, mais c'est nul. Voilà, faut jamais prendre Packard Bell. Voilà. Dell, oui. HP, jamais. Acer, jamais. Acer et HP, c'est de la grosse merde. Il y en a qui me diront, ouais, j'ai un PC pendant 6 ans, tu sais pas ce que tu dis et tout. Bah, tant mieux, écoute, t'as eu de la chance. Voilà, hein. Pour ceux qui ont un PC qui dure longtemps, qui sont Acer, HP ou Packard Bell surtout,
Mais vous avez de la chance, tout simplement. Je vous dis à vous, vous avez de la chance parce que la plupart des gens se plaignent de HP, Acer et Packard Bell. Voilà. Donc les trois marques, c'est Dell, Toshiba, Asus et Samsung. Donc les quatre plutôt. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager et même à lâcher un petit commentaire, les petits poulets. Allez, à plus, ma gueule!